Dès 1922, l'usine Langen et Sondermann produit des ressorts pour les véhicules sur rail. Il s'agit surtout des ressorts paraboliques et cylindriques qui sont développés et fournis ici à Lünen pour vous assurer un voyage confortable et le transport de charges les plus lourdes. Les clients internationaux comme Bombardier, Siemens Transport et Alstom misent sur la qualité des ressorts de cette entreprise. Une partie indispensable de la manufacture est la mise en contrainte sous tension par grenaillage, dénommée pré-contrainte ou shot pinning en anglais. Chez Actos, nous avons livré deux grenailleuses pour cela, deux grenailleuses que l'on va vous présenter maintenant. Tournons-nous d'abord vers les ressorts paraboliques. La grenailleuse est dotée d'un convoyeur à rouleau qui guide les pièces de manière continue pendant le traitement. La station de départ est donc aussi la station de déchargement. Les porte-pièces prennent toujours deux ressorts à la fois qui sont chargés manuellement par l'opérateur pendant la phase non active. L'opérateur démarre le transfert après le chargement et le serrage avec un bouton poussoir de sécurité. Après avoir relevé un dispositif de sécurité, le ressort est serré sous un serre-flanc. Avec une force de compression de 20 tonnes et une élévation de 200 mm, on arrive à la prétension nécessaire. La longueur maximale des pièces est de 1750 mm. Pendant le passage d'une paire de ressorts, leur face sous contrainte et les bords sont grenaillés. La vitesse d'avancement est de 3 à 10 mètres par minute. Le transport est réglé automatiquement. Au point de transfert des convoyeurs se trouvent des détecteurs qui permettent automatiquement l'opération suivante. Pour étancher les sas d'entrée et de sortie, des rideaux de caoutchouc résistants à l'usure sont installés. Un détecteur déclenche le démarrage du grenaillage quand les pièces entrent dans la machine. Une cabine complète d'insonorisation accessible par des portes a été construite pour assurer une réduction du niveau de pression acoustique de 90 à 80 décibels. Quatre turbines de haute performance garantissent le résultat de pré-contrainte voulu de cette machine. Les unités sont disposées en angle décalé de manière à ce que le recouvrement soit de première qualité. Quand le programme démarre, les turbines fonctionnent à vide, c'est-à-dire sans grenaille. Dès que les pièces entrent dans l'enceinte, le mécanisme de dosage démarre et le débit de grenaille est ouvert. Le débit de grenaille est réglé par une vanne à coquilles actionnée de façon électropneumatique. Un coup d'œil par la porte de maintenance de l'enceinte nous montre les palettes des turbines. Les plaques en acier au manganèse extrêmement résistants à l'usure du blindage et les roulements protégés dans des labyrinthes en acier à outils. Après avoir traversé cette zone, les pièces arrivent à la station de soufflage qui enlève la grenaille restée en rétention, lequel est ensuite réintroduit dans la circulation. Des bons résultats de grenaillage ne se réalisent qu'avec une grenaille de grande qualité. Il y a 5 tonnes de grenaille en fil d'acier coupé, arrondie dans la trémie de stockage. Celle-ci est récupérée après la projection via une trémie. Ensuite, elle est transportée au moyen d'une vis sans fin et d'un élévateur à godet à la station de nettoyage qui se trouve en partie haute de la machine. Ici, les particules fines de grenaille et de poussière sont séparées par un aéroséparateur. L'air évacué est nettoyé en continu par une unité de filtration à cartouche et la poussière est collectée dans un sac jetable à papier. Le cycle de nettoyage des cartouches est déclenché automatiquement par une variation de la pression différentielle. La quantité de la poussière résiduelle de l'air d'évacuation est diminuée à moins de 1 mg par mètre cube en ajoutant un filtre secondaire de sécurité. Cela permet de réintroduire l'air dans l'atelier et d'économiser ainsi de l'énergie de chauffage.
La deuxième grenailleuse Actos est pour le shot pinning des ressorts cylindriques. Les dimensions des pièces peuvent varier de 150 à 1000 mm de longueur. Avec un diamètre maximal de 450 mm, le poids par pièce peut monter jusqu'à 150 kg. La charge actuelle est transportée par une grue qui est à côté de l'entrée de la machine. En plus d'une alimentation avec manipulateur, on peut déposer ici des petites charges à la main. Une sorte de monte-rampe à escalier assure la séparation et l'alimentation correcte des ressorts d'une manière simple. Environ 60 ressorts sont transportés ici. Les objectifs de grenaillage sont les suivants. Nettoyage par grenaillage et shot pinning avec une valeur de contrainte de 40 almens. Le transport des pièces s'effectue à l'aide de deux rouleaux de manutention parallèle et d'une barre de levage. Les rouleaux assurent la rotation des ressorts pour une alimentation régulière et pour un bon recouvrement. La barre de levage assure le déplacement longitudinal à travers la machine. La vitesse de transport est ajustable de 1 à 4 mètres par minute au moyen d'un motoréducteur réglé par variation de fréquence. Derrière la cabine, on trouve deux turbines Actos à haute performance, chacune d'une puissance d'entraînement de 22 kW. L'abrasif est traité et recyclé de la même manière que l'autre grenailleuse. Mais il est évident que la teneur en poussière quotidienne sera beaucoup plus importante, car sur cette ligne, les pièces ne sont pas nettoyées avant le traitement. En plus des changements de caractéristiques mécaniques non visibles, c'est le degré de décapage des ressorts cylindriques qui est vraiment impressionnant. Les pièces peuvent être tout de suite alimentées vers la prochaine opération. Ici, le revêtement se fait par poudrage. Les ressorts de Langen et Zondermann sont tellement répandus dans le trafic ferroviaire que nous avons tous déjà fait l'expérience du confort qui a ses racines à Lünen. Quels objectifs de grenaillage peut-on atteindre pour vous avec le même succès ?